Après plus de 6 années de mariage, Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés. En février dernier, la presse américaine révélait que la businesswoman et le rappeur ont pris la décision de divorcer, alors que leur couple battait de l'aile depuis déjà de nombreux mois. Désormais qu'elle est seule, Kim Kardashian serait dans un bien meilleur état d'esprit qu'il y a un an. Néanmoins, l'influenceuse de 40 ans n'est toujours pas prête à faire de nouvelles rencontres. Elle préfère prendre son temps pour le nouveau chapitre de sa vie qui l'attend. Même si elle doit certainement avoir une longue liste de prétendants, Kim Kardashian ne serait pas prête à sortir avec quelqu'un, selon les confidences d'un proche à Hollywood Life. La star de télé-réalité Kanye West aurait célébré leur 7e anniversaire de mariage, qui avait eu lieu le 24 mai 2014. Les tourtereaux s'étaient dit oui entourés de leur famille et leurs amis, dans le Fort Belvedere à Florence. Elle n'est toujours pas prête à sortir avec quelqu'un, mais elle est dans un bien meilleur endroit qu'elle ne l'était il y a un an, a ajouté la source. Quant à leur anniversaire de mariage, elle se sent bien à l'approche de la date. Kim Kardashian dévastée mais déterminée à aller de l'avant. Si Kim Kardashian va beaucoup mieux désormais que son couple est terminé et qu'elle peut de nouveau avancer dans sa vie, il n'empêche qu'elle est déçue de la fin de son mariage. Kim était dévastée, le mariage n'a pas fonctionné. Kim a toujours voulu un époux et une famille, mais elle sait que si est-il la meilleure chose à faire pour tout le monde et que cela doit arriver. Elle aimera toujours Kanye et c'était un amour très réel, véritable, a poursuivi la source. Au lieu de chercher l'amour, Kim Kardashian consacrerait son temps et son énergie à ses 4 enfants et à son business. Nul doute que l'influenceuse peut compter sur toute sa famille pour la soutenir.